Bon, salut les gars, soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'abidjan.net. J'ai profité de l'occasion pour vous souhaiter bonne heureuse année, longévité et prospérité. Et soyez toujours connectés à abidjan.net parce qu'ici, dans notre journal, on ne tourne pas notre langue 10 fois avant de parler. Dans les autres médias où on dit avant de parler, il faut tourner ta langue 10 fois, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, t'entends, c'est des mensonges. Ici, là, on tourne, moi je tourne ma langue une seule fois, et puis en même temps je parle, c'est tout. Donc soyez le bienvenu, soyez encore en contact pour un an, pour qu'on se dise la vérité réellement. Il faut dire que le président de la République a fait son discours de fin d'année. J'étais très content, très sceptique aussi, et puis regardez, et savoir que le président de la République reconnaît certains erreurs, il reconnaît certaines fautes. Il a parlé de la couverture maladie universelle. Il a dit que ça va avoir lieu dans 3 mois. Voyez-vous, quand il est passé chef de l'État nouvellement, il a tellement parlé de cette couverture maladie, des logements sociaux, que nous on a pensé que c'était des choses qui allaient se faire dans 1 an, 2 ans rapidement. Mais à fin de compte, on a compris que c'était un échec. Donc à travers bien.net, on a interpellé le chef de l'État pour lui dire: la couverture maladie universelle, telle que c'est fait, ça a été un échec. Et que les collaborateurs du monsieur le président n'ont pas le courage de lui dire: monsieur le président, ça c'est un échec, c'est pas vrai, on peut pas faire. De la manière que c'est fait, ça ne pourra pas aboutir. Ils ont induit le monsieur en erreur jusqu'à ce que le monsieur lui-même, sa tête cogne et il revienne en arrière. Sinon, moi, je pensais que là où le président de la République lui-même, il est parti s'inscrire, il a pris sa carte de maladie universelle, mais il a se soigné chaque jour. Mais ils ne se soignent pas. C'est parce que c'était un échec. Et cette fois-ci, s'il dit dans 3 mois, tout ça après, j'ose croire qu'il a pris assez de dispositions, assez de prudence. Regardez cette affaire des logements sociaux. Dans le début, comment ça a été? Mais ça a été une anarque. Anarque des gens. Et c'est aujourd'hui, vers la fin, qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout vrai et qu'il faut revoir encore l'autre formule. Mais il faut revoir deux formules. Tel que c'était parti, vraiment, ça a été un échec. Monsieur le président, voilà 2 échecs. Que vous avez eu au cours de vos mandats. Depuis votre arrivée à la tête de l'État de Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant, voilà les 2 choses que vous devez faire. Au niveau de la santé, couverture maladie, au niveau des choses de logements sociaux, c'était vraiment des choses où les Ivoiriens vous attendaient. Mais ça a été un échec. Ce n'est que maintenant, on a commencé à livrer d'autres des logements. Mais combien de logements pour type couverture maladie? Pas de choses. Et Dieu merci, au niveau de l'éducation, ça va là-bas. Vous avez promis dans votre discours à la nation, essayer de mettre 400 milliards de francs CFA au niveau de la santé, créer des hôpitaux, mettre des appareils à l'hôpital mère-enfant, créer des cliniques mobiles. Mais il ne suffit pas de créer des cliniques mobiles, il faut que ces cliniques soient équipées. Il ne suffit pas de créer des centres de santé qui ne sont pas équipés. Parce qu'il ne sert à rien de dire un hôpital, et on va dans l'hôpital, on ne peut pas faire de scanner, on ne peut pas faire de radio, ni rien de tout, parce que le plateau technique est vide. Là, avant de créer, faites beaucoup d'études pour que le plateau technique soit vraiment fourni. Oui, parce que ça, j'étais beaucoup à cela, parce qu'à quoi bon d'avoir un bâtiment qu'on appelle hôpital s'il n'a pas un plateau technique bien fourni. Il faut qu'on vous le dise. Et puis au niveau de la libération des prisonniers de droit commun, merci beaucoup, monsieur le président, pour cette libération. Vous aussi, on vous libère là. Ne venez pas ici amener les gens en ville ici. Ne venez pas amener les gens ici. Nous embêter, on veut vivre une tranquillité, tranquille quoi. Il faut qu'on se dise la vérité. Le président de la République a parlé de nommer son vice-président, de son premier ministre, de mettre à part le Sénat. Ça, c'est une bonne chose. On a tous voté le référendum, donc c'est des projets qui doivent avoir lieu. Maintenant, qui va mettre en place? Ça, je ne sais pas qui il peut mettre en place. Mais souvent, j'ai besoin des postes où il n'y a pas trop de politique. C'est pour ça qu'on a mis d'un camp comme député, ça ne m'a pas plu. C'est un monsieur qui n'est pas trop dans la politique. Il n'est pas trop dans tout ce qui est... C'est pour ça que même le jour donné les résultats à Bassam, lui était déjà quelque part en train d'inaugurer un centre, c'est-à-dire un truc hydraulique villageoise. Et c'est ça. Donc je pense qu'au niveau d'Abidjan, quand j'analyse, on n'a pas besoin chaque fois d'animer, d'envoyer des hommes politiques à des postes pour créer la zizanie. D'un autre compte, d'un camp, je peux bien, si c'était moi, si moi j'étais le président de la République, j'envoie d'un camp là, à ce poste-là, et puis maintenant, je prends un militant du RDR qui peut mettre au poste de premier ministre, mais qui est vraiment très vivace, pas de problème. Mais on vous attend. Au niveau du Sénat, je ne souhaiterais pas que ça soit vraiment
un poste pour remercier des gens. Il faut qu'on y mette des gens compétents pour dire au chef de l'État, dans tel département, voilà ce qui ne va pas. Quand on met quelqu'un dans le sident, il faut qu'il ait le courage de dire au niveau de la santé, ça ne va pas. Au niveau de la culture, ça ne va pas. Au niveau de l'économie, ça ne va pas. Il faut éviter de mettre toujours des gens qui applaudissent, qui sont incapables de dire au chef de l'État, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ça, j'aimerais attendre la composition de ce sénat-là pour voir qui est dedans, quelles sont ses valeurs qui sont dedans, ses compétences qui sont dedans, pour qu'ensemble, nous puissions envoyer cette Côte d'Ivoire la nouvelle, pour qu'il y ait les compétences qui travaillent. Il faut avoir des capacités techniques pour travailler. Ce n'est pas s'asseoir dans un bureau parce que tu détiens un doctorat alors que tu ne connais rien du tout du terrain et tu te vois, on te met sénateur, on te met membre du conseil économique et social. Ça, on n'en veut plus dans ce pays. On veut des gens compétents, des gens capables. Émergence, d'ailleurs, émergence, d'ailleurs.